c'est assez intéressant de savoir que c'est Paris 8 qui accueille Révolution Permanente. Je vous assure, ce monde de l'université, vous imaginez une organisation dite d'extrême droite tenant meeting dans une université en France. Révolution Permanente, la ministre des universités et de l'enseignement supérieur, que personne ne connaît, qui n'intervient jamais, tolère que dans une université française, Révolution Permanente. Non mais vous souriez. Une tradition. Non mais je souris parce qu'il y a. Non mais y a une vous souriez, mais on peut sourire jusqu'à la fin de notre vie. Non mais Paris 8 est une ZAD, il faut le dire. Je veux dire, c'est tellement invraisemblable. L'extrême gauche a tous les droits en France. Elle a le pignon sur rue. Pascal et ses potes, ils sont choqués que à l'université l'extrême gauche s'implante et nanani et nanana. Mais évidemment, à la fac de Paris 8 et à la fac du Mirail, il y a un collectif qui est un collectif anticapitaliste et révolutionnaire qui s'appelle Le Point Levé, qui est la première force politique, qui est la première force dans les élections dans ces universités. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que la jeunesse aujourd'hui, que Pascal le veuille ou non, elle est féministe, elle est antiraciste, elle est écolo et elle est mobilisée contre la réforme des retraites. Et moi, je pense qu'en réalité, ce que ça montre encore une fois, c'est qu'ils sont terrifiés que le mouvement contre la réforme des retraites, l'ensemble des jeunes le rejoignent massivement, mais qui portent aussi toutes ces questions-là, des questions de la société de merde, patriarcale, raciste, etc., qui nous promettent. Et nous, le meilleur message qu'on peut leur envoyer en réalité, c'est de construire une vraie mobilisation dans les facs, de partir en reconductible 7 et de poser toutes ces questions de société dans la mobilisation, puisqu'en réalité, c'est de ça qu'ils ont peur et c'est ça qu'on va faire.